Alors, je m'appelle Abdourahmane Diaye, je suis chef de poste médical à Darou Tamsil, dans le district de Touba. Lorsque nous avions, en 2011, distribué ces moustiquaires, nous avions de sérieux problèmes de prise en charge du paludisme. Parce que les gens n'avaient pas les attitudes qu'il fallait pour se protéger contre le paludisme. Lorsque la couverture universelle a été assurée par les populations elles-mêmes qui ont été formées, éduquées et impliquées, aussi bien dans la réception que dans la distribution de ces moustiquaires imprégnés, on a vu que son impact a été très positif. Message que nous avons fait comprendre à tout le monde, la règle des 3T, toute la famille, toutes les nuits et toute l'année, doit dormir sous moustiquaire imprégné. On a appris aux gens que même quand ils sont dehors, ils doivent utiliser la moustiquaire imprégnée. Et ça a grandement fait baisser le taux de mortalité et de morbidité lié au paludisme. Ce qui veut dire qu'il fallait que les gens comprennent et s'approprient l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Ce dara où nous sommes aujourd'hui fait partie des dara internats où nous avons eu à distribuer des moustiquaires imprégnés. Le résultat a été que, au lieu de recevoir 10 enfants venant des dara qui faisaient le paludisme tous les jours, on a reçu au maximum un par semaine. Et je suis heureux que 2 ans après, j'entre dans un dara et je vois que les enfants continuent à dormir encore sous moustiquaires imprégnés. C'est parce que les responsables des dara ont compris l'incidence que l'utilisation de moustiquaires imprégnés pouvait avoir sur la maladie de ces enfants-là. Après distribution, le comité de suivi nous a permis donc de faire des visites à domicile et surtout continuer à transmettre les messages d'utilisation, mais surtout d'entretien. L'entretien, c'est-à-dire lavage des moustiquaires imprégnés, mais également rapiècement des moustiquaires qui sont déchirés ou troués. Dans tous les 3 mois, on doit charger 5 daras pour faire le lavage. C'est les populations elles-mêmes qui s'impliquent dans le lavage de ces daras-là. Alors donc, il n'y a pas besoin de financement, c'est les gens qui se cotisent, qui est 25 francs, qui est 50 francs, qui est un paquet de savon. Et on utilise ça pour faire ce travail-là. Chacun, en tout cas, est impliqué dans cette activité-là. Parce que les gens savent que de plus en plus, le problème de santé publique est leur problème et se sont appropriés tous les programmes qui viennent.